sous l'ère CNRD dirigée par le général Mamadi Doumbouya, président de la République, l'accent est mis sur la formation et le perfectionnement du personnel militaire. Dans cette dynamique, deux promotions ont prêté serment ce jeudi 31 octobre 2024, à savoir la 15e promotion des élèves officiers d'active et la 4e promotion des élèves officiers médecins. Accompagnés des cadres de l'école militaire interarmée EMIA, ils ont été présentés au chef de l'État, chef suprême des armées, par le général de division Ibrahim Sori Bangoura, chef d'état-major général des armées. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de vous remercier d'avoir honoré les forces armées guinéennes de votre présence à cette cérémonie de prestation de serment de la 15e promotion des élèves officiers d'active et la 4e promotion des élèves officiers médecins. Monsieur le Président de la République, honneur vous demander de bien vouloir autoriser la prestation de serment. Des élèves officiers d'active et la 4e promotion des élèves officiers médecins. Genoux. Terre. Le drapeau sans sa garde, rejoignez votre emplacement indiqué. Capitaine Ibrahim Sori Camara, directeur des études de l'école militaire interarmée. À vos ordres, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous vous demandons de bien vouloir recevoir le serment de la 15e promotion des élèves officiers d'active et de la 4e promotion des élèves officiers médecins. Pour le serment, je le jure. Placée sous l'autorité du président de la République, cette cérémonie de prestation de serment a mobilisé d'éminentes personnalités, notamment des membres du CNRD, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre de la Défense nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, l'inspecteur général des forces armées guinéennes, ainsi que les attachés de défense des ambassades, la chaîne de commandement militaire et paramilitaire. À cette occasion solennelle, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a baptisé les deux promotions. La 15e promotion des élèves officiers d'active porte le nom du général Arafan Camara et la 4e promotion des élèves officiers médecins est baptisée colonel Jean-Claude Moussa Oularé. Promotion général Arafan Ousmane et promotion colonel Oularé, debout. Repos. Gâteau. L'arme sur l'épaule. Droite. Présentez. En cette période de refondation de l'État et de rectification institutionnelle, les corps militaires et paramilitaires renforcent davantage leurs capacités opérationnelles et montent en puissance grâce aux efforts du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Cet événement a été clôturé par un cocktail offert par le président de la République aux invités.